C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté gratuite, c'est une forme de non-respect. Évidemment, les lettres sont anonymes et elles dénoncent le comportement de Mathieu qui ne mérite pas de jouer en équipe de France parce qu'il ne chante pas la Marseillaise. En plus, Mathieu a le malheur d'être noir, hein, donc on sous-entend qu'il ne se sent pas français. On sait que les hymnes, c'est le moment qui précède le match et que chacun l'aborde avec sa sensibilité, que certains ont peur d'être débordés par l'émotion et que. Il faut respecter ça. Et évidemment, Mathieu est très bien dans le groupe et est fier de jouer pour le maillot de l'équipe de France. On connaît les enjeux de ce match pour l'équipe de France et ils sont énormes, évidemment. Donc voilà, il faut qu'on prépare ce match avec beaucoup de sérénité, de confiance et plutôt se pencher, on va dire, sur la stratégie, sur l'aspect tactique, parce que tout le reste viendra tout naturellement. Sincèrement, c'est justement pas très difficile, c'est même relativement confortable, si ce n'est le stress qui nous gagne, hein, par rapport à l'enjeu du match, au fait que c'est dans 48 heures, que la journée de samedi va être extrêmement longue puisqu'on joue à 20h45, mais en termes de confort, voilà, on a gagné 4 matchs.